aujourd'hui, je vous propose un haul avec les avec trois commandes, quatre commandes que j'ai reçues la semaine dernière. Donc il y a du PB Cosmétique, du Yves Rocher, éducatrice et un petit truc du Une Beauté. Et aussi j'ai un petit plan, un beau plan Clarins à vous proposer. Donc on va commencer par la commande que j'ai effectuée sur Berry Cosmétique sur eBay. Donc c'est des produits Catrice, Essence. Donc je me suis offert une petite routine teint. J'attends le reste dans la semaine. Donc je vous ferai une vidéo avec Catrice. Donc j'ai pris mon fond de teint Photo Finish en teinte rosy beige. Donc je vous ai fait une routine teint, je vous mettrai le lien quelque part pour aller vous pour que vous alliez voir l'effet qu'il a. Il est très bien, il est couvrant, il tient bien toute la journée, il est vraiment parfait. Voilà. Je suis très contente. Donc lui, je l'ai payé. Alors, donc Catrice Fond Teint Photo Finish 18h. Donc c'est une nouveauté, 8,99€ sur eBay. Ensuite, pour le poudré, j'ai pris la poudre Prime and Fine Translucide Loose Powder. Voilà, donc c'est une poudre blanche toute simple. Donc la poudre Prime and Fine, excusez-moi, je l'ai payé 9,99€. Voilà. Et ensuite, donc j'avais commandé un troisième petit article. Je voulais tester les palettes Essence. Donc ça, c'est la Sun Club Glamour To Go South Beach, la numéro 1. C'est marqué là. Donc j'ai pas encore testé. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez des petites couleurs sympas. Vous avez de quoi faire des maquillages colorés et nude. Voilà. Et cette petite palette m'a coûté 4,99€. Donc voilà pour ma commande sur eBay. Ensuite, donc Ensuite, donc j'ai passé une petite commande Yves Rocher. Pareil, donc je cherchais à. J'ai envie d'essayer des fonds de teint, changer ma routine teint. Vous me direz, j'en ai déjà plein. Si vous avez vu ma vidéo rangement make-up, vous voyez, vous savez que je suis une accro aux fonds de teint et aux routines teint. Donc chez Yves Rocher, je me suis commandé un de leurs nouveaux fonds de teint. Pure Light, teint lumière aérien, effet seconde peau. Donc en teint clair. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Comme ça. Fond de teint qui fait respirer la peau pour plus de lumière à l'extrait de riz booster d'éclat. Et il y en a 30 ml. Donc c'est une. Donc ça, j'ai pas encore essayé. Pour aller avec, j'ai pris un voile de nacre Yves Rocher dans les tons or rose. Voilà, qui me servira dans le mineur. En cadeau dans ma commande, j'ai eu un eyeliner noir. Et j'ai également commandé un parfum Moment de Bonheur. Voilà, en 30 ml. Parce que j'en ai pas mal de parfums. Mais celui-là, ce que j'avais fait, je l'avais testé en magasin et il me plaisait beaucoup. Donc je l'ai commandé sur internet parce que la promo était plus intéressante. Donc je vais l'ouvrir. Et voilà le parfum. Et j'adore son odeur, c'est vraiment très agréable. C'est fleuri, c'est en même temps très suave, très voluptueux, j'aime beaucoup. Voilà. Donc,
Le fond de teint Pure Light, je l'ai payé, il était à 22 euros. J'ai eu 9,10 euros de réduction, donc je l'ai payé 12,90 €. Le voile de nacre visage et corps or enlumineur, il était à 3,95 €. Et l'eau de parfum, je l'ai eu à moins 50%, donc il était à 30,50 €. Et je l'ai payé 15,25 €. Voilà. Et donc l'eyeliner fluide, je l'ai eu en cadeau. Ensuite, j'ai préparé un petit cadeau pour ma Zedine. Donc j'avais été en magasin, lui chercher des petits produits qu'elle connaissait pas chez Yves Rocher. Donc j'ai atteint mes 1500 pétales et donc j'avais le droit de choisir un produit. Donc j'ai choisi la base préparatrice fixe et lumine enrichie aux extraits de rose en couleur rosée. Donc j'ai encore le... Voilà, en couleur rosée. Je sais pas si c'est dans le bon sens. Voilà. Parce que j'aime bien rajouter un peu d'illuminateur rose dans mes fonds de teint. Donc là, voilà, ça va me servir à ça. Donc, gratuit. Ensuite, j'ai passé une petite commande à PB Cosmétiques, histoire de voir leurs produits, ce que ça donnait. Donc, j'en ai profité puisqu'ils avaient fait une opération moins 50% pour leurs 10 000 fans, je crois. Donc, j'ai passé une toute petite commande. Je l'avais postée sur Facebook pour celles qui me suivent aussi sur Facebook. Donc, c'est arrivé super bien enveloppé dans du papier bulle et des petites pochettes comme ça. C'était parfait. Donc, je me suis commandé le boîtier ombre à paupières, donc c'est très luxueux. Avec, vous avez un petit embout mousse, mais qui est tout rikiki, qui va servir à rien du tout. Le petit, comme on peut dire ça, pour enlever les fards à l'intérieur. Et donc j'avais commandé qu'un fard, c'est pour faire mes sourcils. J'ai choisi un marron, voilà, que j'ai déjà mis dedans. J'ai pas encore testé, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Donc ça, le boîtier était à 4 €. Et l'ombre à paupières mat marron était à 1,25 €. Je me suis pris un rouge à lèvres. Alors là, il a l'air super. J'ai pas encore testé. Je voulais un rouge à lèvres bien rouge. J'en ai pas beaucoup. Et j'en ai, mais ça... C'est pas le rouge que je veux, mais je pense avoir trouvé. Donc là, c'est le rouge à lèvres luxe. Hein. C'était dans la gamme luxe. Bah, je sais plus comment j'ai... Oui, c'était... Ah, bah, je me rappelle plus. Oui, c'était à 50%. Oui, tout le truc, c'était pas que sur la gamme luxe. Donc j'ai pris le rouge à lèvres Gérald 03. C'est ça la référence. Donc il est bien rouge. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Je suis super contente. Il est génial et il est super rouge. Celles qui cherchent un rouge à lèvres rouge peuvent foncer. Le packaging est super classe. Voilà. Donc là, le rouge à lèvres, 2,50 €, il m'est revenu. Ensuite, j'ai pris deux petites ombres à paupières waterproof. Donc chacune 1,95 €. Donc j'ai pris la 4 et la 6. Donc je ne les ouvre pas parce que je vais les offrir à quelqu'un. Donc la 6. Voilà. Et la 4 qui est un bronze, vous voyez. Et celle-ci c'est plus un gris taupe. Voilà. Donc pour ma commande PB Cosmétiques, donc ça valait le coup, j'en ai eu pour, j'ai pas le total, enfin pour 16 € je crois. Ensuite, je me suis acheté, donc comme je vous disais, en ce moment j'ai des fonds de teint couleur sable, mais que je veux un peu rosir, je trouve que ça va, j'ai enfin trouvé à peu près ma teinte, donc je me suis acheté pour... encore un enlumineur de teint glowy, Elfie Glowy. Voilà, un fluide embellisseur de teint en teinte H01.
de chez Une Beauty. Voilà, qui se présente comme ça. Donc soit vous le mettez sur votre visage, soit vous le mélangez avec votre fond de teint. Alors lui, il m'est revenu à 18,80€ à Beauty Success. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, donc j'ai beaucoup de produits Clarins. Et dans un de mes coffrets, j'avais eu une carte complicité beauté. Donc celle-là, elle est toute vide encore. Mais vous pouviez... Vous collez vos codes barres de produits et au bout de 8 produits, vous avez droit, le Clarins vous offre le produit de votre choix. Voilà. Donc moi, j'avais déjà eu cette petite carte. Donc comme je suis une fan des produits Clarins, j'avais découpé mes petits codes barres et tout. Et donc j'avais demandé en cadeau, en produit gratuit, le baume éclair, le baume beauté éclair, éclaire le visage, retend les traits. Il est super ce produit. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc voilà, il se présente comme ça. C'est un flacon de 50 ml. Donc j'ai le temps de finir le mien que j'avais acheté pendant les soldes. Et j'arrive celui-là. Je l'ai eu gratos. Voilà le bon plan. Donc sachez que vous pouvez, avec votre carte complicité beauté, quand vous avez beaucoup de produits Clarins, gardez bien vos codes barres. Puisqu'après, ça vous donne droit à un produit au choix que vous choisissez dans leur catalogue ou sur Internet, qui vous envoie gratuitement. Voilà, bah c'en est fini pour ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées. Je vous dis à bientôt.